Wow. Attends, je viens de sortir de ma douche. Moi ça va, tranquille. J'ai pas envie de redire est-ce que vous allez bien parce que je sais plus si j'ai dit est-ce que vous allez bien parce que je suis en jet lag et du coup j'ai l'impression que je suis... je suis dans un autre monde là. Il est 17h23, j'ai l'impression il est minuit. C'est incroyable. Alors, je crois que j'ai pas fait le café d'Eida. Tiens mon ref. Accompagnement. Tiens mon ref. Soupe. Dessert Rocky. Un petit gâteau aux fruits. Et une boisson. Je te mets un petit soda à la fraise, vas-y. Hop, c'est cadeau. Faut que je refasse des plats, là. J'ai plus de plats. On attend d'un nouveau client. Me parle pas de ton chocolat, là. Je sais pas ce que tu me racontes. Je te mets un gâteau, il y a du chocolat dedans. Hop, voilà. Elle a des beaux vêtements, la cliente. Ouais, bah j'espère bien. Dans mon restaurant, on est bien habillé. Bon, j'ai un peu acheté des... Je vous cache pas. Voilà, de base, il y a des packs à acheter. Ils sont tous achetés. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Je les ai tous bail. Il y a un petit 10, là, qui va sortir. Vas-y, un petit 10. Allez. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Un petit SSR en vrai pour le retour de LR. Je suis en OP, normalement j'ai un meilleur taux de drop. Non, ça marche pas comme ça. Ok. On attend. Claudia, je sais pas si elle est bien, je crois pas qu'elle soit folle. Hein. Après, on peut essayer de l'avoir une fois pour que vous voyez un peu comment c'est quoi. Ok, ça fait du purple. Du coup, on a la petite pity. La petite pity gold. La petite pity nucleus gold. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Je suis trop heureux. J'ai enfin un micro. C'est bon. On fait une petite Claudia. Elle est pas vue, j'ai 128 nucléus rouges. Est-ce qu'on peut avoir le petit bonheur d'avoir un SSR avant? Non. Putain, je vais pas l'avoir. Y a qu'un truc pour l'avoir. Y a qu'une façon pour l'avoir. Y a qu'un son pour l'avoir. Allez, c'est parti. Là, ça va sortir, je le sens. Elle va sortir à la 70e. Maintenant, elle sort. Je sens. Oh, ça va faire un double SSR d'affilée. Oh, c'est magique, sur la pitié, je vais en avoir deux. Tu veux pas? C'est la pitié. Et il y a deux SSR. Il y en a deux. Double SSR. Maintenant, je le sens fort. Ça va tomber. Non, c'est du gâchis. Je rigole, il y a Claudia qui peut sortir encore. Le 50% de Claudia. Il peut encore venir. Faut pas qu'il soit raté. Fallait pas l'oublier le 50% qui pouvait être fail. Allez, on ouvre encore. On va pouvoir vous montrer Claudia. Mais Claudia rentrera dans notre compo, c'est pour ça que je le fais. C'est maintenant que tu dois tomber! Le SSR! Non! Oh, je le sens, c'est maintenant alors! Ah, elle va pas tomber! Ok, c'est la dernière avant la pitié. C'est-à-dire que c'est maintenant, je vais la voir. Oh, c'est de la merde. Vas-y, j'ai même pas envie de voir. Vous savez quoi? Regardez. On passe, on fait un double passe, voilà. Attends, c'est Claudia, voilà. Content, on est Claudia, c'est deux, c'est bien. Envie de crever. La pitié, elle a même plus de saveur. Je peux acheter son arme, là, et sa matrice. Est-ce qu'on l'achète vraiment? Parce qu'on n'a pas Chiro. Ça nous ferait C3. Croyez les dégâts lorsque vous touchez une cible en l'air ou lorsque vous êtes... lancez une attaque aérienne. Oh, mais c'est pas mal, ça. Même pour Samir, c'est pas mal, non? Bon, on a acheté une. On l'a pas C3. Ouais, on l'a C3 déjà, c'est pas mal. Ah non, je l'ai juste C2, putain. Ah ouais, j'ai mal fait mes calculs en plus. Oh, je l'ai C2. Oh lolo, c'est une catastrophe. Bon, on va faire de la matrice. Je le sens par contre. Y'a rien qui tombe, frère. J'ai pas de chance, j'ai que des pitis. J'ai une saveur vraiment amère. Je suis en OP, je devrais avoir un meilleur taux de drop, non? Augmentez mon drop. Vous savez combien j'ai mis d'argent? Beaucoup trop à mon goût. Yo, foutre off ma gueule. Je veux Claudia pour Samir, tu me donnes Samir pour Samir. Mais c'est la même en plus! Mais j'ai envie de crever! Mais c'est la même! Bon, allez, on open. On open une pitié et on en parle plus. On open une pitié et on en parle plus. Bon, c'est du purple. Un petit peu de bonheur? Ok, 4 SSR, c'est quand même pas mal. Enfin, 4 SR, pardon. On n'a pas le droit au putain de bonheur. Et on finit sur la pitié pour se faire encore du mal.
Une clo-clo. Clo-clo. J'suis en train de tout mettre la thune de l'OP, j'rigole, y'a encore un peu de marge. Vous en faites pas, j'ai calculé. J'ai vraiment pas le droit au bonheur. Let's go. J'ai même pas envie de regarder. T'es free to play? Ouais, je suis free to play. Day 2. Comment que ça va? C'est bien ça ou pas, la nouvelle relique, là, hein? Une dimension de poche, hein, les alliés obtiennent une unité, les vêtements à l'intérieur de la dimension peuvent descendre en dessous de 20% de faire l'intérieur de la dimension régénère 4% de PV, les unités en 4. Ça a l'air pas mal, en vrai. En vrai, ça a l'air pas mal. Alors si jamais ce mode quittait jamais direct, parce que vous avez une chance que je l'ai eu qu'une fois dans ma vie, hein, mais vas-y tranquille. Mais vous avez une chance, en fait il y a une alerte qui va s'afficher et en fait vous pouvez avoir un boss bonus et qui vous donne une gold nucleus. C'est pas cela, hein. C'est vraiment que les explorations interstellaires où vous pouvez avoir ça. Regardez, c'est écrit dedans normalement. Des graines stellaires peuvent apparaître après la vague finale d'ennemis, démantelez-les pour invoquer un boss caché. Battez le boss pour obtenir une récompense bonus. Et moi j'en avais une et du coup j'étais en mode oh putain j'ai raté un truc de fou et tout. Bon c'est quand même pas mal, c'est une nucleus gold, hein. Regardez ma petite île, wouhou! S'il y a des gens qui sont chauds pour faire le world boss de l'île, là, on va aller faire le world boss. Du coup, on va aller sur l'île, île artificielle, hop. Où est-ce qu'on va se TP? Le mob, il est où le mob? Il est là, non? Ouais, il est là. Wesh. On se fait vraiment attaquer? Ah. Bon, ouais, je vais au-dessus, hein. Et comment tu le démolis lui du coup? Parce que en fait, il vole. Je peux pas l'atteindre. Il m'a cassé la gueule. Il est super relou à faire comme boss. Oh là là, qu'est-ce que ça va être son ulti? Me fait bombarder la gueule! Ah, faut être vraiment beaucoup pour ce boss, hein. Attendez, il a reset là? C'est une blague, j'espère. Ok, j'ai voulu tenter un truc. Il a l'air super dur le boss. Ah non, c'est encore pour ma poire! Non mais frère! Mais c'est que pour moi! Je sais pas comment esquiver ça! Et vas-y, lui, il fait que de courir et ça marche. C'est normal? Ah, il arrive. Ça, faut avoir beaucoup d'endu quand même pour le tuer, lui. Ah, j'avoue, c'est le pire boss à faire par contre. En fait, il a une hitbox invisible. J'ai l'impression. Bon, bien joué ça. Pardon ? Il est bientôt mort. Let's go! Bien joué l'équipe. Allez, stopper une petite matrice, Samir. J'ai jamais eu de matrice. Ouais, je vais aller bien au centre, comme ça s'il recule et que je peux encore le taper. Oh, on est en train de le fumer. Oh lolo, let's go! Putain, je vais pas drop une matrice, ça dégoûte, frère. Si! Waouh! La matrice! La matrice! Wouh! Wouh! Wouh!